Coucou les amis, nous sommes le jour 6. Le jour 6, oui, c'est celui-là, le petit flocon. Et nous avons dans le jour 6, de la sauge. Ça, c'est de la sauge blanche de mon jardin. Alors, la sauge, elle est purificatrice déjà, donc pour les intérieurs de maison, mais pas seulement, hein, c'est aussi pour nous, pour les chakras, pour les auras, pour les corps subtils. Voilà, la sauge, c'est, comment on dit, avoir de la sauge dans son jardin, c'est éloigner le médecin. Ça veut tout dire, c'est une plante un peu miracle. C'est une plante pour les femmes parce qu'elle peut les accompagner tout au long de leur vie pour les règles douloureuses jusqu'au même pour avant bébé, tout ça, même jusqu'à la ménopause parce que c'est bon contre les bouffées de chaleur, voilà, en tisane. Alors, je vais quand même faire mon petit aparté. Les plantes, ce n'est pas du pipi de chat, ce sont des médicaments. C'est à prendre toujours par pas très longtemps, en changer, évidemment, normalement, mais aussi faire des pauses parce que le corps, il est trop sollicité. À prendre trop de plantes, on a forcément des désagréments, voilà, surtout dans les intestins, là. Voilà. Alors, c'est aussi pour nettoyer tout ce qui est énergie résiduelle, c'est-à-dire ce qui reste dans une maison, ce qui reste sur de la colère, des maladies, de la tristesse, des pensées négatives, de la mauvaise humeur. Tout ça, ça reste malgré tout. J'arrête pas de le dire. Donner uniquement de l'amour parce que ce qui rentre dans les murs. Mais s'il y a tout le restant, ça reste aussi dans les murs et voilà, dans l'ambiance de la maison. Donc, un bon coup de sauge, moi je préconise une fois par semaine, un bon coup de sauge, vous faites ça, porte et fenêtre fermées, et puis vous mettez la sauge, voilà. Et après, au bout d'une heure, vous ouvrez tout, vous aérez tout, voilà, qu'il y ait un bon courant d'air et que ça purifie tout. Qu'est-ce que je vais. C'est aussi bon pour les maux de gorge. Je vous dis, c'est quand on a des maux de gorge, pas de problème. Ça, avec un bon miel, tiens, ça aussi, c'est sûrement pour ça qu'elle se trouve là. C'est pour les digestions difficiles après des repas trop copieux, trop arrosés. Une bonne tisane de sauge, voilà, ça aide au bon refonctionnement. Ben voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, je vais vous faire des gros câlins et je vous dis à demain.